Bonjour, je suis le capitaine Aurélien Dupin, SRPJ d'Orléans. On vient de me mettre sur une affaire bien étrange. J'ai plus de 30 ans de carrière et j'avoue que j'ai jamais été confronté à ce genre de cas. Voilà, un automobiliste tout à fait étranger à cette affaire a découvert cette voiture au bord d'une petite route abandonnée sur un chemin avec à son bord le cadavre d'un homme. Après les premières constatations de la gendarmerie, je me suis moi-même rendu sur place. L'homme est un cinquantenaire, Damien Castellet, un œnologue réputé. Pas de traces de bagarre, pas de traces de sang, cela pourrait passer pour une crise cardiaque. Mais cette mort ne me semble pas naturelle, je le sens, et mon intuition ne m'a jamais trompé. Mais j'avoue que je suis dans une impasse. C'est pourquoi je fais appel à vous, à votre sens de la déduction, à votre sens de l'observation. Plusieurs protagonistes qui gravitent autour de cette histoire sordide pourraient vous aider, si vous savez les écouter attentivement. Ce monsieur Castellet est un gougnafier. Enfin, était, paix à son âme. Un beau salaud, ce Castellet. Venir comme ça pourrir la réputation des vins du domaine. Quelques années que je travaille avec Damien Castellet. C'est un des œnologues les plus réputés de ses générations. Son nez était... enfin, est exceptionnel. Bref, pour en revenir à ce Castellet, je ne sais pas si ce sont des raconteurs, mais il semblerait qu'il était plus qu'il a été. Enfin bon, d'aucuns prétendent que Castellet n'était plus capable de juger les vins, qu'il se reposait entièrement sur Romualde. Alors voilà, c'est à vous. C'est à vous de me révéler pourquoi Pomard m'a tué.